les enfants, aujourd'hui nous on va travailler un nouveau coup de pied, le coup de pied latéral Yokogiri. La semaine dernière nous avions travaillé coup de pied de face, coup de pied circulaire, aujourd'hui coup de pied latéral. Ce coup de pied est très utilisé en combat et on le retrouve également dans les katas. Et ça tombe bien parce que nous allons en avoir besoin pour travailler le kata Aeyan Nidan, donc deuxième kata de la série des Aeyan. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour l'échauffement, sur place, on sautille. On inspire bien par le nez, on souffle par la bouche et talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On monte un petit peu les genoux. Allez, on reste bien les coudes au corps. On rebondit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on écarte les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On croise devant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on reprend d'avant fesses, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on rebondit encore, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on relâche. Allez, les poignets dans un sens, dans l'autre, très bien, les coudes, les deux bras en même temps, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait. On croise les bras devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotation en arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En avant. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, on pousse les bras sur l'avant, on ferme les poings, coude au corps, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, la tête haute en bas, 1, 2, 3, 4, 5, sur les côtés, 2, 3, 4, 5, on fait toucher l'épaule sur l'oreille et 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Zubiachi, ouais, à tout de suite pour les étirements spécifiques au coup de pied. Très bien, pour pouvoir faire notre coup de pied, ce qu'on va apprendre ce matin, il va falloir préparer un petit peu les jambes, puisque là on va faire le coup de pied sur le côté. Donc là, vous voyez, je suis encore un petit peu raide, c'est le matin, vous aussi. Donc on va se préparer pour pouvoir faire ça. Alors, on va poser un genou au sol, on fléchit. On étire vers l'avant, très bien, 2, 3, 4, 5, on ne va pas rester trop longtemps, parce qu'on ne fait pas des assouplissements, on ne va pas chercher à gagner, mais on va chercher à étirer les muscles pour pouvoir être bien prêt pour faire les coups de pied. On change de jambe, on va vers l'avant, allez, 1, 2, 3, 4, 5, on revient, on attrape les orteils, et 1, 2, 3, 4, 5, on se repasse à genoux, on va mettre la jambe sur le côté, et on va toucher 5 fois son pied. 2, 3, 4, 5. On change de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5. On se relève. Jambes tendues. On vient toucher les doigts de pied. 1, 2, 3, 4, 5. On écarte les pieds. On vient toucher les doigts de pied également. Jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, avec la main droite, on va toucher le pied gauche. Et on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène les jambes. On monte le genou devant. 1, on change. 2, 3, montez bien votre genou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va monter le genou sur le côté. On serre les coudes, on plaque les bras au corps et on monte le genou sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se met une jambe devant, on monte le genou. Allez, 1, 2, 3,
5. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5. Les hanches, rotation. Et 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4, 5. On écarte les jambes. Et maintenant, on va plier un genou. On plie, on plie, on plie, on descend, on descend, on descend, on descend. On touche les mains au sol. On remonte. On plie de l'autre côté, on descend, on descend, on descend. Et on touche les mains au sol. Alors, on va le faire plusieurs fois. À droite et à gauche. On va changer de côté à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, main sur les genoux. Petite flexion, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On écarte, on bouge les hanches sur les côtés. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se trottine sur place, on tend un petit peu les jambes, les hanches sur les côtés, on écarte, on croise, on avance les fesses. Très bien, vous oubliez là-dessus. Ouais, à tout de suite pour la suite. Allez, premier exercice pour apprendre à faire le yokogiri, le coup de pied latéral. On va utiliser une chaise comme support. On va s'appuyer ici sur la chaise, lever le genou. On tient l'équilibre. Il ne faut pas rester jambe droite, on va fléchir légèrement le genou, sinon vous n'aurez pas d'équilibre. Plus vous allez être droit, plus vous allez pencher d'un côté ou de l'autre. Donc ici, on lève, mais on est un petit peu appuyé sur la jambe d'appui également. Là maintenant, grâce à la chaise, je vais pouvoir m'appuyer et vous allez travailler ici la hanche. Vous savez, c'est des exercices qu'on fait ici à l'échauffement. Donc là, on va travailler la hanche. Et quand la hanche va être engagée, on va pouvoir détendre la jambe et ramener le genou. Ce qui va être très important, c'est de ramener le genou, de jamais laisser tomber la jambe en combat, ni en kata. Allez, vous êtes tous appuyés sur une chaise? Parfait, on y va ensemble. On descend un petit peu, on monte le genou en même temps. On bascule la hanche. On va pousser et ramener. C'est parti, on fait 5. Position. Allez, encore 4. 3. Montez. Poussez. Et ramenez. 4. Et le dernier. Et on revient. On passe la chaise de l'autre côté. On va travailler l'autre jambe. Toujours pareil. Prise d'appui sur la chaise pour se stabiliser. On fléchit, on monte un genou, on tient en équilibre. Ensuite, on travaille la hanche et on pousse la jambe sur le côté, on ramène et on pose. On y va, on en fait 5. Position, on monte. Plus vous allez monter le genou, plus le coup de pied sera facile. On engage la hanche, on détend et on revient. Allez, plus que 4. 3, 2 et 1. Parfait. À tout de suite pour l'exercice suivant. Très bien. Exercice suivant. On va faire l'exercice toujours avec la chaise, mais cette fois-ci sans s'appuyer dessus. Donc l'objectif sera que le coup de pied passe au-dessus de la chaise sans la toucher. Allez, on y va. Allez, très bien. Donc je vais mettre une jambe devant, position de combat. Donc là, du coup, maintenant, je vais faire mon coup de pied pour qu'il passe au-dessus de la chaise. Je vais amener mon pied arrière pour pouvoir m'appuyer dessus. D'accord? Je ne me mets pas complètement en extension. Il faut bien que je fléchisse ma jambe pour garder la stabilité. Je vais lever le genou. Donc mon genou, vous voyez, il monte dans votre direction. Il ne monte pas dans la direction de la chaise. Je bascule la hanche, je pousse mon pied. Je passe au-dessus de la chaise et je repose, je reviens en position de combat. D'accord? Allez, on va en faire 5. D'abord doucement. 1.
Encore. 2. 3. 4. 5. On va changer de jambe. Position de combat, légère. On n'accentue pas, je suis pas en position kata, hein. Combat. Pied arrière. J'emmène mon pied, je reste à la hauteur où je suis, donc ma jambe est fléchie. Maintenant, mon genou. Vous voyez, il monte là-bas. Mon pied va aller dans cette direction. Donc là, du coup, j'engage la hanche. Je pousse le pied. Je ramène et je me remets en position de combat. On en fait 5. 1. 2. 3. 4. 5. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Et on se retrouve tout de suite pour l'exercice suivant. Ok, ce coup de pied est très utilisé pour aller chercher des adversaires qui seraient déplacés latéralement, mais également suite à un pivot. D'ailleurs, dans les katas, on va souvent le retrouver sur l'arrière, comme dans Ayan Nidan. Dans Ayan Nidan, on va faire le coupi en allant sur l'arrière. Donc du coup, on va le travailler en allant sur l'arrière, et je vous montre ça tout de suite avec la chaise. Donc je mets bien la chaise de dos, et cette fois-ci, je vais me tourner par rapport à cette chaise. Donc maintenant, il va falloir que je réussisse à faire mon coup de pied latéral en passant par-dessus la chaise. Donc pour ça, il va falloir que je me tourne et que je m'assoie dans ma position, que je lève le genou et que j'envoie sur l'arrière et que je revienne bien dans cette position. Donc on y va, on le fait ensemble. Vous tournez, vous mettez face à moi. La jambe qui est de mon côté, c'est celle qui lève. Là, on va développer la hanche sur l'arrière, tendre la jambe et ramener. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais tourner dans l'autre sens. Je vous tourne le dos. Je vois la chaise sur le côté. Je monte mon genou. J'engage la hanche. Je pousse la jambe et je reviens. On y va pour 5. 1 et 2, 3, 4, 5. Parfait, vous avez réussi? Très bien, à tout de suite pour l'exercice suivant. Après avoir fait ce coup de pied au-dessus d'une chaise, maintenant on va le travailler de manière un petit peu plus technique à partir d'une position. On y va. Allez. Très bien, je vais me mettre sur le côté pour bien que vous voyez. La jambe qui est de votre côté, je vais la déplacer pour me positionner en position Kokutsudachi. Donc Kokutsudachi, les pieds sont alignés sur la même ligne comme vous pouvez le voir et je suis bien en appui sur la jambe arrière. Donc l'idée, ça va être de faire Yokogiri avec cette jambe avant, mais auparavant, il va falloir que je déplace la jambe arrière et je vais l'emmener à mi-hauteur. À partir de cette position, je vais pouvoir monter mon genou ici. Je monte. Je balance la hanche en arrière et je vais aller chercher mon coup de pied que je vais bien ramener pour ensuite aller positionner. En appui, toujours pareil, Kokutsudachi, mais j'aurai changé de jambe. Premier Kokutsudachi, il est en appui sur la jambe gauche. Ensuite, on déplace la jambe gauche, on monte le pied droit, on vient frapper sur l'arrière et on vient repositionner Kokutsudachi, jambe droite. Allez, je le refais de côté, on le fait ensemble. Le regard, vous me regardez. Position 1. On est en appui. 2. On déplace. 3. Coup de pied. Et on ramène. Ok. On recommence. Kokutsudachi. 1. On ramène le pied. 2. Et 3. Coup de pied. Ramenez bien le pied et on vient poser. Quand on pose, le regard change de côté. D'accord. Donc, on est ici. Face. 1. La tête tourne de votre côté. 2. Pour le coup de pied, la tête tourne sur l'arrière. 3. Elle revient devant. On le fait ensemble. 1. 2. Et 3. On va le faire de l'autre côté. Oui, je vais me mettre de ce côté. Très bien. On déplace le pied gauche. 1.
On ramène le pied droit, mi-chemin. On regarde derrière soi. On monte le pied, on frappe, on ramène et on pose. Kokutsudachi. On y va, on recommence. Vous avez compris les étapes ? 1, position. 2, je ramène le pied, je frappe. 3, je pose en arrière. Allez, 1, 2 et 3. Encore. 1, 2, 3. Dernier. Et 1, 2 et 3. Ok. Maintenant, à partir de la position Zen Kotsudachi, on va avancer une jambe. Position Zen Kotsudachi, donc fente avant. On est bien en appui sur la jambe avant, jambe arrière tendue, les deux pieds dans le sens du déplacement. Je vais ramener mon pied arrière. Je reste en équilibre. Donc vous voyez que là, dans cette jambe qui était pliée devant, je ne peux pas me mettre jambe tendue. Je le garde bien fléchi. Ensuite, je vais regarder sur le côté et j'envoie mon coup de pied. Je vais poser. Zen Kotsudachi. On recommence. Jambe vers l'avant, position Zen Kotsudachi. Aïe! Et deux, on enchaîne le coup de pied. Aïe! Et on positionne. Encore. On y va. Un, deux. Encore une fois de ce côté. Aïe! Aïe! Positionnez bien. Regardez si votre position est correcte. Si elle n'est pas correcte, vous recommencez. Je change de jambe. On avance, position Zen Kotsudachi. On emmène le genou arrière. On monte. Juste le genou, pas la jambe d'appui. On regarde sur le côté. Yokogiri. Et on posera Zen Kotsudachi en ramenant le pied avant. 1 et 2. On recommence. Allez. 1, 2. Et on pose. Encore. 1, 2. On pose. Dernier. Aïe. Et on relâche. Zubiati. Prêt. A tout de suite pour le dernier exercice. Allez, dernier exercice pour notre séance d'aujourd'hui sur le Yokogiri. Maintenant, on va mixer différentes techniques et rajouter les Yokogiri dans ces enchaînements. Je vous montre. Allez, position de combat. Sur place, avant, coup de poing arrière. On va partir. Coup de pied de face, pas chassé. Coup de pied circulaire. Et là, on va revenir de nouveau pas chassé. Coup de pied latéral. Comme on a travaillé ce matin. On reprend. Position de combat. Donc ça fait jambe avant, poing avant. 1, 2, coup de pied de face. Tout de suite, on imagine que l'adversaire a reculé. Coup de pied circulaire, on poursuit. L'adversaire a bloqué. Et là, on revient. Boum, coup de pied latéral au niveau du ventre. On reprend. Position de combat. On enchaîne. Et, ni, face, circulaire, latéral. Encore. Position de combat. 1, 2. Face, circulaire, et latéral. Je vous fais le même, de côté. Vous continuez à le faire en ligne droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'insiste vraiment sur la différence entre le coup de pied circulaire et le coup de pied latéral. Le coup de pied circulaire va contourner l'adversaire, tandis que le coup de pied latéral va venir faucher au niveau du ventre. Je suis ici, le coup de pied circulaire monte sur le côté. Le coup de pied latéral va venir rentrer dedans, en ligne droite. Allez, tout de suite l'enchaînement, l'autre jambe. Position de combat, point avant, arrière, coup de pied de face. 1, coup de pied circulaire, 2, et là on revient. 1, coup de pied latéral. On reprend. Position. C'était cette jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Les 5 techniques. 1,
2, 3, 4, 5. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, très bien. Travaillez cet enchaînement, les 5 techniques. Et n'hésitez pas à m'envoyer une vidéo pour que je puisse vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. À très bientôt. Après une séance sur les coups de pied, étirement spécifique au niveau des jambes, très important. Allez, c'est parti. Ma genou, debout, une jambe devant. On va partir en flexion, pose bien la main au sol. Allez, cette fois-ci, on essaye d'agrandir, d'aller chercher. On va chercher à poser sa hanche le plus bas possible. On tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient sur l'arrière, jambes tendues. On attrape les orteils. Et là, maintenant, on va chercher à baisser vers l'avant. On tend vers l'avant et on garde bien la jambe tendue devant. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La même jambe. On l'envoie sur le côté et on va s'écraser. On reste en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de jambe. On vient vers l'avant, on pose la main au sol et là on va chercher à s'écraser. On s'écrase et on pivote la hanche pour essayer de descendre le plus bas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient sur l'arrière, on attrape les orteils et on garde la jambe tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La même jambe, on travaille en ouverture, on la pousse sur le côté. Et on laisse descendre le buste. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on ramène ici. Très bien. On va s'asseoir. Les deux jambes tendues maintenant. On les garde bien tendues. Vous allez aller passer les mains derrière les pieds. On y va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 et 8. On garde les doigts de pied dans les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on regroupe les pieds. On fait les petits battements de papillon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tend une jambe. On attrape. On appuie sur le genou. Et on descend en milieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va croiser la même jambe ici. On attrape le genou et vous regardez à l'opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pose le genou sur le côté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de jambe. On tend devant. On attrape les orteils et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On attrape le genou, on croise, on attrape et on regarde à l'opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pousse derrière et on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On repasse à genoux. Allez, on va écarter les deux jambes maintenant. Et on laisse descendre les coudes en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Très bien. J'espère que cet entraînement vous a plu. A tout de suite pour le salut final. Ouais. Allez, entraînez, continuez à vous entraîner. Et quand vous serez prêt, vous pourrez monter les coups de pied au-dessus du niveau de la ceinture, au niveau de la tête.